بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو رب ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وأنا الله خاتليك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقي الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله وما أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا ونصارى يهودا ونصارى قل أن أنتم ألموا أم الله وما أظلموا مما كدم شهادة عنده من الله وما الله بغافلين ما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسؤلن أما كان يعملون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran Sibrat Allah, donc là c'est le teint d'Allah, on pourrait dire ou la couleur, ou certains disent même le baptême, mais le baptême qui serait déjà dans le fitra, automatiquement spirituel. Donc le teint d'Allah, ou la couleur, ou le baptême, quel teint est-il mieux que celui d'Allah et nous sommes adorateurs de lui? Dit, disputerez-vous avec nous au sujet d'Allah, il est notre Seigneur et votre Seigneur, à nous nos actions et à vous vos actions, nous lui sommes dévoués. Direz-vous qu'Abraham, qu'Ibrahim, alayhissalam, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce que vous avez plus de science ou Allah? Et qui est plus injuste que celui qui dissimule un témoignage venu d'Allah? Allah n'est pas inattentif à vos actes. C'est une communauté qui a passé, à elle, ses actions et à vous le vôtre. On ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait.
La suite du tafsir, ça va, c'est encore une fois, depuis un certain temps, le Moufassir commente. Après, ça reste toujours dans le Tanzil, mais je vais m'efforcer en citant un hadith de l'Kafi, de vous ramener un peu vers le Tahwil, donc son commentaire, éradiquer les autres idéologies et ne fait valoir que celle d'Allah. À la suite de l'appel ressortant des précédents versets, de la part de tous les prophètes et couronnés par la nécessité de suivre leur programme, le premier verset, ici, leur ordonne tous de n'accepter que la couleur divine, qui n'est rien d'autre que la couleur de la foi et de l'unicité. Je vais y revenir par la suite avec le hadith. Ensuite, il ajoute, quelle couleur meilleure que celle d'Allah, et c'est lui que nous adorons uniquement. Le Coran ordonne ainsi de dégager toutes les couleurs du racisme, du tribalisme et bien d'autres couleurs de la division pour ne prendre que la couleur divine. Là, normalement, le verset est beaucoup plus orienté vers la spiritualité, donc on pourrait parler de couleur de division ou couleur divine, mais non pas une histoire de racisme ou de tribalisme. Ça n'a pas vraiment un sens. C'est-à-dire, on doit revenir à l'fitra. Les commentateurs du Coran écrivent que les chrétiens avaient l'habitude de baptiser leur enfant et parfois ils mettaient une teinture jaune dans l'eau. Ils disaient ce bain, plus particulièrement avec cette eau teintée, est un signe de purification du nouveau-né par rapport au péché originel hérité d'Adam. Alayhi wa afdala salat ala Muhammad. C'est bien ce que je vous avais dit, ça, ces bras, ça peut vouloir dire aussi. Non pas d'une manière littérale, mais d'une manière du sens, c'est le baptême. C'est pour ça que vous voyez que les chrétiens, ils avaient l'habitude de baptiser leur enfant et parfois ils mettaient une teinture jaune dans l'eau. Le Coran est venu allier cette conception en disant, au lieu de vous colorier le corps avec les couleurs de la superstition et de la division, adoptez la vraie couleur qui est la couleur de la religion afin de purifier votre âme et votre esprit. Quelle belle tournure et expression. Si les gens adoptent la couleur divine, c'est-à-dire la couleur de l'unicité, de la grandeur, de la pureté et de la piété, ce serait bien. La couleur limpide, de la justice, l'égalité, l'équité et la fraternité, la couleur de l'unicité et de la sincérité, peut éteindre tout conflit et toute division. Elle est susceptible d'éradiquer l'idolâtrie et la division. Bref, cela signifie la couleur unique et l'éradication de toutes les autres couleurs. Dans plusieurs hadiths, il est rapporté de l'imam Saadiq alayhi salam au sujet de commentaires de ce verset que Sibrat Allah signifie la religion islamique pure, c'est-à-dire dans Nour, Tafsir Nour al-Saqalayn, volume 1, page 132. En effet, les juifs et les autres, dans leur discussion, se levaient ou disaient « Tous les prophètes viennent de notre communauté, notre religion et notre livre sacré sont les plus anciens. Si Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal faraja wa al-ranada, est un prophète, il aurait dû être suscité dans notre communauté. » Parfois, il disait, notre race, par rapport à la race arabe, est plus digne d'accepter la foi et la révélation parce qu'ils étaient des idolâtres, nous n'étions pas. Donc là, on arrive après aux autres versets, mais avant cela, je vais vous ramener un hadith venant de l'Kafi, Kitab el-Iman wal-Kufr, donc le livre de la foi et de la mécréance, le chapitre 8, 9. Donc le chapitre 9, c'est la couleur d'Allah et l'islam. Le hadith numéro 3. Omeyd ibn Ziyad a rapporté cet hadith de Hassan ibn Muhammad ibn Sama et lui de plus d'un individu, lui d'Arban et lui de Muhammad ibn Muslim, et lui de l'un d'eux, c'est-à-dire de l'imam Baqir alayhi salam ou de l'imam Sadiq, qui avait dit au sujet des paroles d'Allah, Azawajal, notre Sibra est la Sibra d'Allah, c'est notre religion la Sibra d'Allah, l'islam, et quelle Sibra est meilleure que celle d'Allah? Donc cela c'est le verset concerné, Sourate al-Baqarah, verset 138. Donc l'imam répond, la Sibra ici se réfère à l'islam. Et lance la plus solide, El Ruwatul Wuska, dans les paroles d'Allah, lui et Azawajal. Et quiconque croit en Allah, son doux saisi, lance la plus solide qui ne peut se briser, et la foi en Allah. Donc, Surat al-Baqarah, verset 256, j'y reviendrai quand je le commenterai, bien plus tard. Mais en tout cas, les imams, alayhi salam, nous disent que lance la plus solide, puisqu'il le relie à l'islam, pour dire la foi en Allah, Ruwatul Wuska. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit Nahnu Awatul Wuska. Nous sommes la lance la plus solide. Et pour relier ça avec ça, donc c'est le wilaya. Et même quand on parle de ne vous divisez pas, puisque lance la plus solide, ça fait référence aussi dans ces versets-là à la division. Et bien Fatima Zahra alayhi salam, Sayyidati Fatima Zahra alayhi salam, nous dit dans Khutbat al-Fadak, El Imama, la sécurité contre la division. La protection contre la division. Donc tout est relié en vérité.
à la fois le wilaya. C'est-à-dire que là, on voit que l'imam nous explique que c'est l'islam et il le relie avec le verset qui concerne le wilaya, qui est l'anse la plus solide. Sourate al-Baqarah, verset 256. Je continue le commentaire. Parfois, les chrétiens se prenaient pour les enfants d'Allah et prétendaient que le paradis leur revenait à eux seuls. Le verset ci-dessus vient étouffer une telle conception. Il dit dans un premier temps, demande-leur, est-ce que vous discutez avec nous au sujet de Allah, qu'il est notre Seigneur et le vôtre? Ce Dieu n'appartient pas à une race ou à une tribu, il est le Dieu de tous les hommes et de tout ce qu'il y a dans l'univers. Sachez également que nous sommes responsables de nos actes et vous responsables des vôtres et personne ne gagnera un mérite qu'à travers ce qu'il aura accompli. La différence qu'il y a entre vous et nous est que nous sommes les vrais monothéistes, mais la majorité d'entre vous a mélangé le monothéisme à l'idolâtrie. Le verset suivant répond encore à l'une de ces déclarations non fondées. Dites-vous qu'Ibrahim, Ismaël, Isaac, Yaqub et Asbat, donc là Asbat, les tribus, mais comme vous savez très bien, dans le verset précédent qu'on avait commenté, les versets précédents, El Asbat, ça veut dire les prophètes de Bani Israël, étaient tous des juifs ou des chrétiens. Alors connaissez-vous mieux qu'Allah? Allah sait mieux quiconque, il n'était ni des juifs ni des chrétiens. Vous savez plus ou moins que la plupart de ces prophètes ont mis pied sur terre avant Moussa et Issa. Salawatullah alayhima wa afdalat. Et si vous ne le savez pas, pourquoi est-ce que vous avanciez de tels propos sans aucune connaissance? Là, c'est très intéressant, c'est un très bon argument, puisqu'en fait, le christianisme se réclame de Isa alayhi salam et le judaïsme de Moussa alayhi salam en règle générale, même s'il y a l'Ancien Testament où il traite des prophètes avant Moussa. Eh bien, c'est quoi qu'il arrive, la fondation du christianisme et du judaïsme ont lieu à l'époque de ses prophètes respectifs. Et eux, ils disent, vous étiez, ils étaient juifs ou des chrétiens, alors qu'en fait, c'était bien avant la fondation de leur religion déviée, bien entendu. Pourquoi cachez-vous la vérité? En réalité, qui est plus injuste que celui qui dissimule les preuves et les témoignages divins? Sachez qu'Allah est au courant de vos actes. Il est clair que lorsque l'homme s'obstine et prêche dans le fanatisme et le radicalisme, il va jusqu'à rejeter les faits historiques. Par exemple, il considère Ibrahim, Ali Salam, Isaac, Yaqub, Ali Salam, qui sont venus avant Moussa et Issa, et sont décédés avant eux, comme les suiveurs de Moussa et de Jésus et de Issa. Il dissimule une vérité aussi évidente, une réalité par laquelle le destin des gens et leur foi sont liés. C'est pour cette raison que le Coran les présente comme les plus injustes, car il n'existe pas d'injustice plus grande que de dissimuler en toute connaissance la vérité afin d'égarer les gens. Dans le dernier verset, Allah répond, leur répond d'une certaine manière en supposant que toutes ces déclarations soient vraies. Ce qu'ils ont fait par le passé les engage, le dossier de leurs actes est clos et leur époque est passée. Et les actes que vous posez aujourd'hui vous concernent. Vous êtes responsable de vos actes de la même manière qu'ils sont responsables des leurs. En résumé, une nation vivante doit se reposer sur ses actes et non s'accrocher sur son passé. L'homme doit compter sur ses mérites et ses capacités, car vous ne pourrez rien avoir à partir des mérites de votre père, même s'il était un homme de bien. Aussi dans le côté négatif, si vous justifiez les crimes de vos ancêtres, vous serez avec eux. Donc il faut faire très attention d'avoir une position indépendante à son époque. C'est la fin du tafsir. Inch'Allah, la prochaine fois, je me concentrerai uniquement sur le verset 142. Aktafi ibad al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atratihi wa tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.